esta tierra de Dios, cuando el Dios de amor al cuerpo de Jesús, cuando la visita por el nombre de Dios, cuando se controla el Dios de la visita por el nombre de Dios, cuando se está mal visita por el nombre de Dios, cuando se está al cuerpo de Jesús, cuando se está al cuerpo de Jesús. Une femme fervente garde sa maison debout. Ma maman va les kaki di bosona na ba lobi et belé. Maman igeta les kaki a wa ataki fondement. Maman l'enta e ko ba sa brique. Nga pe la pompe le lo e ko tsa li sou brique na ngai. Tem na nga ezali la maison d'une femme insensée et la maison d'une femme sage. Nazana de pa na olobela na kolobela femme insensée moi si ndaku ya moi si oyo ya mayele te ndaku ya moi si oyo ya makambo mabe na zolobela ndaku ya moi si oyo ya mayele pe ndaku ya moi si ya makambo malamu na zolobela ona pokwa lelo mama na biso otange na biso na ona Genèse 3 de 1 à 9 si ma bozali botelemi. Amen. Genèse 3, du 1er au 7e verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Il en mangea. Les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Est-ce que Zambe a pékisi nyo a pékisa ki nyo ba fouri nyo so ya mbiambuma ya jardin
Moi, c'était à Kéi, à Tali Boumawana. A mon amour, c'est bien pour la Bolia, à Zoumawana, à Lé. A maman, à maman, il a maman, tout à l'heure, le Béla, et ça dit que le Kabouya, l'Itoy. Tout le Béla, l'Itoy, et ça dit oreille. Tout le Béla, l'Isou, et la vie. Vie à l'Isou, vie et tout ça, t'as envie. Envie et les macarna et l'alcool, et fidélité, il y a un autre de la Lélo. Un d'amour à Monibongo, à Pestito, pour tout le monde en question, pour poser ma question à maman. Un jour, à quoi il y a une bonne année? Un jour, à quoi il y a une bonne année? Un jour, à quoi il y a une bonne année?
Vous êtes aux arts.
la solution. La chaîne frère, il t'a besoin de là. Aïe, on la solution. Aïe, tous ceux qui t'ont besoin de là, qui est pas à qui passe la révélation. Donc on dit à Bissami parler dans la maison d'une femme sage. Maman au premier biso à 1 Samuel 1 et 1 à 9. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Yéroam, fils de Elioum, fils de Tohu, fils de Tchouf, Ephraïsien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas point toi? Je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils. » Anne s'éleva après que l'on y ait mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Amen. 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 Solution et ça sauve à maman Anne. Maman Anne, wana azaki n'a pas problème. Problème n'a eu la stérilité. Maman Anne, azaki est à Bali, à Zobotate, au Bali n'a eu la problème, wana a zoéli et panda. Elle a zoéli et panda, bandana Zobota et à Zobotate. Bandana salade au Bali de la chéton, au fin aïe, au nobé aïe, et au talaka, maman Anne, à moi si à l'idée. Pas à qui moi c'est la révélation.
Yeah.
Thank you.
soya yo ba boto la, yo soya yo ba vande la, de lo yo ba ipire ango, de lo so bote la, de lo so bote la ango, de lo so bote la ango, de lo so bote la ango,